Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire le bilan de la première semaine avec les résultats que j'ai obtenus sur les backtests, les résultats officiels, donc la différence entre les backtests et la réalité. Le but pour cette semaine qui arrive, finalement les modifications qui ont été amenées à la méthode numéro 1 que tu as dû suivre pendant le live. Et on va reprendre trade après trade les méthodes 1 et la méthode 2 pour voir chacun des trades qui ont été effectués pendant cette semaine. Donc il faut savoir si on avait respecté à 100% bien les méthodes. Méthode 1 sera apportée 175$ et la méthode 2 sera apportée 650$, donc on serait aux alentours de 775$ de profit. Donc je vais te montrer par rapport à la méthode 1 et après on va confronter avec la réalité. Donc ça c'est la méthode numéro 1, première semaine. Donc le premier jour on a eu 2 trades perdants, deuxième jour on a eu 0 ou plus ou moins un trade neutre. Toujours le deuxième jour, en fait, là, on a eu un trade qui a été magnifiquement gagnant. De mon côté, il était perdant parce qu'en fait, j'avais mon stop loss à 2 points. Et le truc, il est descendu de 2 points. Donc, depuis, en fait, j'ai réfléchi parce que le lendemain, c'était pareil. Ça a chopé mon stop loss pile poil à 2 points et c'est remonté. Hein. Donc, maintenant, j'ai déplacé mon stop loss à 2,25 points. Je t'expliquerai après. Donc, dans la réalité ou plutôt dans ma réalité, moi, je suis à moins 300 ici. Voilà. Mais finalement, en fait, le trade, il serait plutôt, on va dire, gagnant. Hein. Rebelote, le lendemain, en fait, pareil, moi, je me suis fait choper pile poil à mon stop loss à 2 points. Si je l'avais mis à 2,25, donc ça a été la modification apportée cette semaine. Au lieu de perdre 300, en fait, vu que c'était remonté, on aurait eu le temps de remonter le stop loss pour minimiser, on va dire, la perte. Ensuite, le 19, hein, le premier trade, on ne l'a pas fait parce qu'en fait, il est monté trop haut. Également, ça, je te le montrerai dans le détail tout à l'heure. Le deuxième trade, on l'a fait, 65$. Et donc, ça, c'était hier, donc vendredi. Le trade a été neutre. Hein. Voilà, ni perdant, ni gagnant. Hein. Donc voilà, avec la petite modification du stop loss, effectivement, la semaine en négatif de mon côté aurait été positive, donc 175$. Ça, c'est la méthode numéro 1. Et pour la méthode numéro 2, le 16, on a eu un trade vraiment à 0. Donc c'est monté, c'est redescendu, bref, un trade neutre. Ensuite, il y avait un trade qui avait l'air de pointer son nez, mais on ne l'a pas pris parce que voilà, on était déjà à la 12e bougie, donc ça, on ne l'a pas pris. Et à nouveau le 16, donc ça, je te le montrerai tout à l'heure plus en détail, il y avait une bonne configuration. C'était monté assez, c'est redescendu, mais finalement pas assez pour choper l'ordre. Donc le trade aurait été bon, mais il n'a pas été saisi. Le 17, hein, le trade a été légèrement positif, c'est rentré, c'est ressorti. Bref, on a fait un mini micro profit. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'expliquais en fait ce trade, hein, 30 minutes plus tard, bam, il y a eu un magnifique trade qui a pointé son nez que je t'ai mis en gris ici, que je n'ai pas pris, que je n'ai pas vu à ce moment-là. Et oui, bye bye Lena. Bref, hein, voilà, donc là en fait on aurait pu faire 1000$ de plus. Hein. Je te le montrerai également. Et finalement, c'était hier, trade perdant. Voilà, donc au total, si on avait pris le trade qui est en gris que j'ai raté, on aurait fait 650. Et vu que je n'ai pas pris, moins 350. Donc tout ça pour te dire qu'en fait, ce qui est important à noter, c'est que la méthode fonctionne. Si tu l'appliques à la lettre et que tu es rigoureux et que tu fais gaffe, on serait à 650 là. Ici à 175. Donc le truc que l'on va voir surtout cette semaine à venir, ça va être se concentrer pour éviter en fait de rater ce genre de trade. Après, il faut savoir aussi que moi, j'étais super malade cette semaine-là, ça commence à aller mieux. En fait, depuis lundi, j'ai chopé une grippe, hein. C'est ma fille qui me l'a refourguée. Donc, j'étais vraiment dans le cirage, c'était mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, c'était un peu l'apogée de mon cirage. Et voilà, et donc vendredi aussi. Mais même en étant complètement dans le cirage, hein, honnêtement, j'ai même fait 2 tests de Covid tellement que je pensais que j'avais le Covid. Bref, j'ai pas le Covid, mais vraiment, j'étais lessivé, la tête à l'arrache. Hein. Enfin bref, j'ai quand même réussi à appliquer à la lettre, en fait, la méthode numéro 1, hein, sans faire aucune erreur de mon côté, hormis le stop loss, hein, que en fait, j'ai décidé de le rabaisser d'un ch'touïa. Mais ce que je voulais te dire, c'est que même étant dans le pâté total, j'ai réussi à appliquer minutieusement à la lettre. J'ai vu également, c'était hier, Alban, pendant le live. Lui, il a eu un trade perdant parce qu'il n'a pas eu le temps de remonter en fait, le stop loss. Mais ça, c'est normal, c'est tout à fait normal. Pendant les 2 premières semaines, ça va certainement arriver d'avoir un trade qui va être perdant alors qu'il aurait dû être neutre. Ou éventuellement, légèrement, il aurait dû être gagnant, mais finalement, il va être neutre ou vice-versa. Bref, c'est normal au début de faire des erreurs. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est les 2 premières semaines, c'est de l'apprentissage. Le but, c'est pas de gagner de l'argent pendant les 2 premières semaines, voire même les 3 premières semaines. Le but, c'est de respecter la méthode le mieux possible, de se rapprocher au maximum, on va dire, des résultats que l'on aura obtenus si on faisait pas de bêtises. Donc, tu t'en fous, même si t'es un peu dans le négatif ou un peu dans le positif. Le plus important, c'est cette semaine se concentrer sur respecter le mouvement à la lettre, bien synchroniser, en fait, ton mouvement pour bouger ton stop loss pour la méthode numéro 1. Et également, faire gaffe ici, surtout quand l'heure passe, hein, parce que mon attention commence un peu à diminuer. Au bout de 1h30, je commence à être assez crevé. Donc, il faut faire gaffe de ne pas rater, en fait, ce genre de configuration, qui aurait pu nous rapporter 1000 balles de plus, hein. Également, je te la montrerai tout à l'heure. Donc, ça, c'était le
Premier point, c'était le résultat général. Également, je t'ai parlé du but de cette semaine. Donc, maîtriser, c'est le plus important, maîtriser le mouvement rapide au niveau du stop loss pour bouger le stop loss dès que ça remonte pour la méthode numéro 1. Donc ça, honnêtement, à mon avis, tu vas faire 2-3 conneries encore avant de choper vraiment le coup. C'est normal. C'était comme ça aussi de mon côté au début. Maintenant, comme je te l'ai dit, même avec une crève et un peu de fièvre, j'ai réussi à le faire cette semaine sans aucune erreur de mon côté. Donc tu devrais y arriver au bout de peut-être deuxième, voire troisième semaine. Éventuellement, quand tu commences à vraiment maîtriser le mouvement, donc là, tu vas acheter 3 lots. Par exemple, si tu es en compte simulation, éventuellement même 2 lots, si jamais, pour éviter de perdre de l'argent si tu fais des erreurs. Donc 2 lots de ES. Une fois que tu as chopé bien le mouvement, ce que tu peux faire, tu peux ajouter le troisième lot un peu plus bas pour la méthode numéro 1. Donc ça, c'est ce que je fais moi maintenant. En fait, j'achète 2 lots et légèrement plus bas, j'achète un troisième lot. Donc ça, on le fait pendant le live et tu pourras le faire également de ton côté, peut-être aux alentours de mercredi cette semaine. Donc ajouter un troisième lot légèrement plus bas et pratiquer à nouveau le mouvement. Et la dernière chose à faire, ce sera de bien étudier et de backtester la méthode 3 sur peut-être un mois, deux mois. Et éventuellement, fin de semaine, on va faire l'introduction de la méthode 3. Donc voilà, on a vu les résultats généraux de la semaine qui est en fait positif. J'ai juste raté un trade ici qui aurait vraiment changé la donne sur la méthode 2. Également, le fait d'avoir modifié le stop loss permet de faire plus de gains sur la méthode 1. Et maintenant, on va passer dans le détail des trades de la semaine. Je vais te les passer au crible de manière à te les remémorer. Donc si je regarde pour la première semaine, donc c'était le 16 septembre, on a eu deux trades perdants. On va les regarder. Donc voilà, ça c'est la première minute, 15h30. On va regarder, on a eu les 0,04, on n'est pas descendu trop bas. Donc si on était descendu à 0,19, voilà, aux alentours de ici, avant de retoucher, là en fait on ne prend pas le trade, ça n'a pas été le cas. C'est remonté en flèche, c'est remonté, trade perdant, ok. Ensuite, on est monté. Là, on a 0,12, c'est parfait, on peut préparer l'ordre d'achat. C'est monté, mais pas trop haut, redescendu, et bam, redescendu en flèche, à nouveau, trade perdant. Donc ça, c'était le 16, que tu retrouves ici. Donc, tu as les heures exactes, précises, et le chiffre. Donc là, c'est admettons qu'on ait pris 3 unités basiques. Donc j'ai acheté 3 unités, ou plutôt j'ai shorté 3 unités ici. Et là, j'aurais acheté 3 unités ici. Et avec la nouvelle petite nuance de la méthode, en fait maintenant moi ce que je vais faire, je vais acheter 2 unités ici et je vais acheter un autre, une dernière unité, une troisième légèrement plus bas, environ à 1 point en dessous, et le stop loss sera à 2,25 points en dessous. Donc ça fait beaucoup de chiffres, mais tu vas vite comprendre au fur et à mesure à force de backtester encore et encore. Donc voilà pour le premier jour qui était catastrophique. Le 17, c'est monté, on a une seule bougie, ça ne démarre pas encore, c'est descendu une seule bougie, ça ne démarre pas, c'est remonté, on a deux bougies, mais pas assez à mon avis pour démarrer le trade. Non, 0,02, c'est passé. Finalement, c'est descendu ici, ouais, on a 0,18. Donc voilà, j'ai programmé mon ordre d'achat, ou plutôt mon ordre de short ici, voilà, pour aller vers le bas, voilà, à 0,25 au-dessus du rectangle. Ça l'a chopé, c'est redescendu assez, donc la mesure pour moi c'est 1,25. Pour remonter le stop loss, tu le vois ici. Dès que je vais atteindre 1,25 de gain, je vais bouger le stop loss au niveau de l'entrée, donc break even. Et ça a été le cas en fait. Donc moi j'avais shorté ici à partir de le rectangle, il était à combien? Il était à 18,25. Donc moi j'avais shorté à partir de 18,50 et on est descendu de 1,25 points exactement, 1,25 points. Donc là j'ai rabaissé mon stop loss au niveau du short, au niveau de l'entrée ici, donc trade neutre. Et par la suite, c'est monté, c'est redescendu ici, voyons. Voilà, donc là, comme tu le vois, on était à la limite, on était à 0,18. Ma limite, c'est 0,19. Si jamais on monte à 0,19, avant de redescendre, je ne prendrai pas le trade. Donc là, c'était 0,18, c'était OK, on peut le prendre. Et voilà le fautif qui m'a coûté en fait 300$ au lieu de me rapporter 860. Je t'explique pourquoi. D'ailleurs, même plus, ça aurait été aux alentours de presque 1000$ si tu fais deux achats ici, donc un achat pardon de deux lots et un troisième lot que tu rachètes un peu plus bas. Donc voilà, ici, l'achat, il aurait été à 0,25 en dessous, donc ça aurait été ici, hop, à 23. Et moi, devine où j'avais mis le stop, je l'avais mis à 2 points en dessous, donc 23 moins 2, ça fait 21. Voilà, j'ai mis mon stop ici, exactement là où ça l'a touché. Donc c'est pour ça que j'ai décidé en fait de le déplacer de 0,25, notamment ici. Et d'ailleurs, pendant le live, il y a pas mal de personnes qui avaient un stop loss légèrement plus bas, notamment il y avait Jérôme, Stéphane et peut-être d'autres personnes, pour qui en fait ce trade qui a été perdant de mon côté a été gagnant. Ça leur a rapporté peut-être 750 et quelqu'un. Voilà. Donc sinon, pour reparler aussi des deux unités et une unité, en fait ce que je fais maintenant, c'est que je fais mon achat classique ici, à 0,25 en dessous.
Donc là, au lieu de mettre 3 unités, bah, je mets 2 unités. Et ensuite, j'achète une autre unité à un point en dessous. Donc là, c'est 23, ça ferait 22. Voilà ici, 22. Donc il y a pas mal d'informations, beaucoup de chiffres dans cette vidéo, donc n'hésite pas à la revoir. Ou du moins, il faut que tu aies vu la formation avant de voir cette vidéo, sinon tu risques d'être un peu confus dans toutes ces règles. Donc voilà, ce trade, hein, il aurait démarré là, il aurait chopé le deuxième ordre, il serait remonté là. Pas assez encore pour remonter le stop loss. Finalement, quand on arrive aux alentours de là, on peut déjà remonter le stop loss. Ça monte là, on peut le remonter légèrement plus haut. Et finalement, ça va monter jusqu'au profit ultime à 5,75 points au-dessus. Donc ça, c'était le 17. Le deuxième était gagnant, $860. Sachant que ça, c'est basé sur 3 unités ou 3 lots, on va dire, de ES. Hein. Mais si j'avais acheté effectivement 2 lots et un lot ici, j'aurais fait aux alentours de $950 de profit. Donc là, on avait fait le trade vers le bas, on a fait le trade vers le haut. Donc ça suffit pour cette journée. Et on va passer à la journée d'après. Donc c'était le 18. Donc ça te permet aussi de pratiquer un peu comme une leçon, un peu comme les backtests. Hein. Donc voilà, ça c'est la première minute d'ouverture. Première bougie, deuxième bougie, on est bon, on est à 0,7. On peut faire l'ordre d'achat ici. Donc voilà le plus bas du rectangle, 1,50. J'ai créé mon ordre d'achat ici, hop, voilà. Ou plutôt de short, on va dire, ici. Et éventuellement un point au-dessus. Ça ferait 2,75, on va y arriver, voilà. Donc là, j'aurais mis 2 unités pour aller vers le bas. Et là, j'aurais rajouté une autre unité de ES. Et normalement, à la base, c'est là où j'ai réalisé pour le stop loss, hein, tu le vois, on est à 1,75. Si le stop loss, on le met à 2 points, classique, ça ferait combien? 3,75. Et on arrive pile poil, on ne peut pas faire pire sur le stop loss. Et ensuite, ça redescend. C'est pour ça que j'ai décidé maintenant de le remonter de 0,25 de plus, hein, un chouïa de plus ici. Voilà. Donc pour ce trade, il serait monté jusqu'à choper mon deuxième achat ici. Il serait monté là. Et ensuite, il serait redescendu jusqu'à la box. Hein. Voilà. Donc si je te le zoome, la box, elle est ici. Hop. Hein. Voilà. Donc quand on est monté dans un premier temps comme ça, aussi haut et aussi près du stop loss, et qu'on est redescendu aussi bas en termes de distance, c'est quand même pas mal. Hein. C'est 2 points, ouais, c'est 2 points et quelques. Hein. C'est 2,25. Jusque-là, ça fait un bon bout de chemin. Dans ces cas-là, ce que tu peux faire déjà, c'est rabaisser ton stop-loss à ce niveau-là, ici, au niveau du deuxième achat, ici. Hein. Du coup, en fait, si ça repart en sens inverse, hein, ce deuxième achat, il sera complètement neutre, hein, et celui-là, il y aura une petite perte. Hein, voilà. Donc, c'est remonté ici, donc ça aurait clôturé mon trade, avec une perte au total aux alentours de $100. Hein. Bon, là, j'ai mis 150 parce que j'étais parti du principe que j'avais pris les 3 unités ici. Hein. Mais si j'ai mis 2 unités ici et une unité ici, que j'ai remonté le stop-loss à ce niveau-là, sur ce trade, j'aurais perdu $100, pas 150. Hein. Donc voilà pour le 18. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres trades après vers le haut. Non, c'est pas remonté ensuite. On va passer au 19. Donc le 19, ça sera justement l'exemple de la règle que l'on avait ajoutée. Donc en fait, quand tu vois que c'est descendu monstrueusement, là on a moins 0,44% de baisse, hein, par rapport à notre rectangle, on ne va pas faire l'achat ici parce que 80% du temps en moyenne, le trade sera perdant. Donc là, pour le coup, le trade n'aurait été ni perdant ni gagnant, on l'aurait chopé ici, ça serait descendu légèrement, remonté, donc le trade aurait été neutre ou éventuellement on aurait fait $65 dessus. Par contre, quand on a eu les 0,44 en bas, on ne va pas faire le trade du bas. Mais ça ne t'empêche pas de faire le trade vers le haut. Donc ça également, il y avait Alban qui m'avait posé la question tout à l'heure, plutôt on va dire hier. Donc rebelote, tu mesures, donc là on est monté à combien? 0,14, ça va. Tu prépares ton ordre d'achat ici, 2 unités, éventuellement une autre unité légèrement plus bas, donc à un point dessous. Si c'était un point ici, ça n'a pas été saisi. Si ça avait été 0,75, ça aurait été saisi. Hein. Donc c'est pour ça aussi que je me pose la question, un point ou 0,75. Hein. Donc je ne sais pas si tu m'as compris, bref, je me parlerai moi-même. Mais voilà, on aurait acheté ici 2 unités, donc 2 lots de ES. Le troisième n'aurait pas été saisi parce qu'il était juste là. Et c'est remonté assez pour remonter le stop loss légèrement au-dessus, donc faire $65 de profit éventuellement ici. Hein. Donc voilà, ça c'était pour le 19. Le premier, on l'a pas fait, parce qu'on était descendu trop bas. Et là, on a fait $65. Et on va passer au dernier jour de la semaine, donc le 20. Donc là, c'est le rectangle. C'est monté, pas assez pour faire l'ordre. Et vers le bas, c'est descendu, mais pas assez. Si je le fais proprement, il faut faire attention aussi. Parce que c'était Florent qui s'est fait, entre guillemets, avoir. Bon, ça lui a rapporté $50 de gain, je crois. De son erreur, mais voilà, normalement quand tu regardes vraiment précisément, en fait depuis la box ici, jusque là on a 0,03, donc c'est pas suffisamment, c'est pas descendu assez à mes yeux pour engager le trade ici, hein. Donc faudrait que ça soit 0,04 ici, voilà,
Donc là, j'ai pas fait le trade. Par contre, à la bougie d'après, là oui, en fait. Là oui, on les a, les 0,04. Donc là, j'ai démarré mon trade ici. Et en fait, ce qui s'est passé là, on ne le voit pas, hein, parce que la bougie, hein, on dirait que c'est monté directos, mais là, en fait, elle est montée dans un premier temps, redescendue jusque là à 1,25 en dessous de mon achat numéro 1, ce qui m'a permis en fait de redescendre mon stop loss au niveau de l'achat. Donc ça a été assez rapide, hein, parce qu'après j'avais regardé en version, hein, je crois en une seconde, hein, j'ai la possibilité sur mon TradingView de le regarder en une seconde, et j'avais calculé, je crois qu'on avait aux alentours de 7 secondes qui s'est passé entre mon achat, plutôt ma vente vu que j'allais en short, hein, redescendre jusque là, avant de remonter, j'avais calculé que c'était aux alentours de 7 secondes, hein. Donc normalement c'est suffisant pour bouger le stop loss, hein. Mais naturellement, à tes débuts, ça peut être confus avec toutes ces informations. Donc, si tu t'es planté sur ce trade, hein, il y en a eu, hein, il y en a qui n'ont pas réussi à le bouger assez vite. Hein, c'est normal, ça fait partie du lot, ça fait partie de l'apprentissage. Hein. Au bout de la deuxième, voire troisième semaine, logiquement, ça devrait commencer à vraiment rentrer on va dire, le mécanisme du geste. Hein. Donc voilà, trade neutre, hein, pour le 20. Donc 0, voilà, 0. Et ensuite, on n'est pas remonté au-dessus de la box. Hein. Voilà, donc ça, c'est pour la méthode numéro 1, hein, qui était pendant la première semaine. Hein. Et pour éviter que je te fasse une vidéo de 1 heure, on va pas passer à travers tous les trades de la méthode 2. Je vais simplement te montrer celui que j'ai raté, en fait, celui que j'ai pas vu, parce que certainement on devait être en train de chatter et voilà, ça m'a pas sauté aux yeux, alors qu'il est assez évident à voir. Donc c'était le 17 septembre à 16h52. Donc pour ça, on va passer en bougie de 2 minutes. Et on va aller au 17. Et on va remettre le RSI, pardon, le VWAP. Je vais dégager tout ce bazar. Hop. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait fait un premier trade. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pas fait attention à l'autre. À 22, on a fait un premier trade. Donc là, comme tu le vois, on était rentré dans la zone numéro 3 et les bougies continuent à monter, donc ça montait, alors que sur le RSI, ça diminuait. Donc la bougie d'après ici, qui a bien avalé la précédente. À 22, on a en fait commencé à shorter, donc on va vers le bas. On a shorté à un point en dessous, hein, donc là la fermeture était ici, 30,25. Donc 31,25, voilà ici. On est rentré dans ce trade et on l'a shorté, bam 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 bam. C'est descendu jusque-là, c'est remonté, donc trade plus ou moins neutre. Hein, donc c'était 16h22. Voilà, donc on a fait 25 dollars sur ce trade. Hein, et ensuite, voilà, on est parti dans les conversations, je pense. Et voilà, le trade d'après ici, en fait, à nouveau. Ça continuait à monter sur les bougies, alors que sur le RSI, ça descend. Par contre, là, on est dans la zone entre guillemets dangereuse. Tu comptes, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bougies. Donc là, on est un peu dans ce qu'on appelle un range. Donc là, en fait, on abandonne la méthode jusqu'à avoir un fort mouvement à nouveau qui casse la tendance et qui redémarre, on va dire, une première jambe. Et c'est là où je ne l'ai pas vu, et je pense que tu peux le voir maintenant. C'est qu'après, effectivement, on est redescendu, on est bien redescendu, on est remonté ici, et là, on a une nouvelle première jambe, toute première jambe ici. Hein. Donc, ça a été assez rapide, hein, c'est pour ça que je pense que je ne l'ai pas vu. Mais si je te le montre maintenant, tu verras, hop, hein, regarde les bougies, ça monte. Hein. Et côté RSI, hop, ça descend. Et vu qu'on était déjà passé une première fois dans la zone numéro 3, c'est valide, on n'a pas besoin à nouveau de rentrer dans la zone numéro 3. Hein. Il faut juste qu'on soit au-dessus du mouvement précédent. Donc là, ça c'était le mouvement précédent. On est à nouveau au-dessus. Regarde sur le RSI, on est bien plus bas que le premier mouvement ici. Donc là, ça avait créé une sorte de range. Mais là, on a vraiment dégagé du range. On est bien au-dessus. La bougie monte. La bougie descend. Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas pourquoi. Je devais être en train de chatter ou de faire autre chose ou de discuter d'une autre méthode. Bref, là, on a une belle bougie qui a complètement avalé la précédente. Donc ça fait vraiment le W, hein. Plutôt le M. Hop. Hop, hop, et hop, voilà. Donc là, on a eu le M qui était parfait, que j'ai pas vu. Donc voilà, la bougie, elle a fermé ici, à 32,75. Du coup, on serait rentré à un point au-dessus, 33,75, donc ici, voilà, ici. Mon ordre de short aurait été ici, c'est monté légèrement, redescendu légèrement, remonté légèrement, et finalement, ça s'est pété les dents jusqu'en bas, jusqu'à en fait saisir mon take profit numéro 3, je pense, hein. Voilà, normalement le take profit il aurait été à 9,25 points en dessous, plus bas. Hein, voilà. Donc 9,25, on serait descendu, on aurait démarré, c'était combien? 32,75, on serait monté à 33,75. Donc si je te fais les maths, 33, on va y arriver, hop, 33,75 moins 9, c'est combien l'officiel? 25. Hein. Et normalement on utilise les brackets, donc tu n'as pas besoin de t'enquiquiner à faire les maths, mais c'est juste pour vérification. 24,5.
Donc 24.5, ça aurait été ici. Voilà, ici. Là où tu vois ma souris maintenant, exactement là. On serait rentré là et on serait descendu jusque là non-stop. J'ai également vérifié en bougie de quelques secondes et effectivement, il n'y a pas eu de yo-yo. Le trade aurait été parfait, linéaire jusqu'au bout. Jusqu'à mon take profit 3, ça aurait rapporté 1 000 $ et je ne l'ai pas vu. En fait, j'ai pas vu l'entrée ici hein, parce que peut-être que c'est allé trop vite. J'ai pas dû faire attention que la bougie était plus haute que celle-là alors que le RSI était plus bas. Voilà, donc vigilance, et c'est exactement ce que je te demandais aussi, enfin ce que j'aimerais te demander, c'est vu qu'on est pas mal sur le bootcamp, on doit être environ une dizaine, si jamais de ton côté tu vois que ça a l'air d'être éventuellement la figure pour la méthode numéro 2, surtout n'hésite pas à intervenir, tu cries dans ton micro, tu me dis fais gaffe, est-ce que c'est pas la méthode numéro 2 là qui pointe son nez, regarde, ça a l'air de monter en RSI ou pas, et du coup ça me permet vite de vérifier, surtout que là on est en bougie de 2 minutes, donc on a quand même le temps de réagir, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas vu, alors qu'après, je crois que je l'ai vu immédiatement après, quelques minutes après, en fait je l'ai vu, je l'ai pas dit, hein, mais je me suis dit, merde putain, le truc on l'a raté, et finalement, voilà, ouais, le trade était effectivement gagnant. Donc voilà, c'est ce que je te demande également, c'est quand tu vois ce genre de setting, que tu arrives à les identifier, surtout n'hésite pas à intervenir si moi je l'ai pas vu de mon côté. Hein. Donc comme tu l'as vu, si on respecte parfaitement la méthode, ça fonctionne, 650 d'un côté, 175 d'un autre, semaine vraiment positif, mais comme je l'avais dit également dans pas mal de mes vidéos, y a le facteur humain, comme tu l'as vu, celui-là j'ai raté. Donc c'est vraiment ce qui va faire la différence, c'est le côté humain. Et vu qu'on est pas mal, logiquement, on devrait pouvoir éliminer ce genre de facteur où tu l'as pas vu. Mais bon, je trouve ça assez encourageant parce que effectivement, la semaine a été relativement compliquée, on va dire. Surtout le premier jour, c'était déjà négatif. Premier jour du bootcamp, tu te prends deux trades perdants dans la tronche, ça fait un peu, ça fait mal. Mais finalement, ouais, quand tu regardes les résultats, le but, comme je te l'ai dit et je te le répète une dernière fois, le but c'est de s'aligner le plus proche possible de ces résultats backtest. Donc de virer, on va dire, le côté humain, le côté erreur. Pour la méthode numéro 1, c'est vachement carré, c'est simple. Il faut simplement choper la rapidité du mouvement de monter, rabaisser ton stop loss. La méthode 2 demande un peu plus un œil pour vraiment être vigilant par rapport à la montagne, donc le M ou le W. Donc voilà, ça c'était la vidéo qui va faire le bilan de cette première semaine, qui n'est pas si pourrie que ça. Et comme je te l'ai dit, le but de la deuxième semaine, c'est de maîtriser le mouvement pour la méthode numéro 1, donc la rapidité, et finalement de bien étudier de ton côté la méthode 2. Et à nouveau, la maîtriser en temps réel. Et si tout se passe bien d'ici fin de semaine, on t'introduira la méthode numéro 3. Mais vraiment, le but, concentre-toi sur maîtriser la méthode numéro 1, bien capter le cheminement de la méthode numéro 2. Et si tout se passe bien, que tu maîtrises vraiment à la fois la méthode 1 et la méthode 2, les gestes, la rapidité, l'œil aiguisé, on va dire, éventuellement pour la semaine numéro 3, donc la troisième semaine, tu pourras éventuellement essayer de passer en mode payant, donc compte payant sur Top Step.